Parce que quand c'est sorti ouvertement, hein, c'est comme si on s'est réveillé du jour au lendemain, on a constaté à l'unanimité que ce monsieur-là, que Joe Biden, qu'il ne pouvait plus gouverner parce qu'on savait depuis, on l'a souvent vu souvent confondre des noms des gens et on continue à le laisser là. Subitement, aujourd'hui, c'est comme si on se réveille et on constate que ce qu'il dit, ça ne fait pas de sens. Et vous, qu'est-ce que vous dites de ça si vous écoutez un peu la politique? C'est vrai que ma chaîne n'est pas une chaîne politique. Hein? On va oublier le côté politique de l'affaire, mais sauf que ça concerne effectivement un politicien. Mais le but ici, c'est de voir quand on t'a surprotégé. Parce que ce monsieur-là, depuis le début, on a caché les choses. Moi, je pense que les gens qui l'entourent ont toujours caché ses pertes de mémoire. OK? Si on n'avait pas fait une. Il n'y avait pas de débat entre lui et son adversaire, hein, son adversaire, on n'aurait pas, peut-être, ça n'aurait pas été aussi flagrant aux yeux du monde entier comment il était probablement pathétique.